Madge. Coucou Chou, je te suis principalement sur YouTube, j'adore ce que tu fais. Et t'as venu dire, merci Novali. Plaisir. D'ailleurs, la dernière vidéo sur YouTube avec Among Us, si vous l'avez pas encore vue, elle est incroyable. Si jamais... Je pense que c'est la vidéo la plus drôle que j'ai d'Among Us, de la chaîne. Y'en a qui l'ont vu ou pas? Ah normalement vous l'avez peut-être vu en live également si vous y étiez, c'était il y a une semaine. C'est la vidéo avec étoile. Gang gang. Elle est vraiment trop bien. J'ai pleuré de rire, mais moi je l'ai regardé en replay pour te dire. Non, normalement je regarde pas mes vidéos YouTube, tu vois, je suis en mode waouh, qu'est-ce que j'ai fait. Mais celle-là je l'ai regardée, elle faisait trop marrer. En plus le montage est lourd, hein. Genre... Les six sharp shoot. Trop trop bien. J'ai adoré le moment où on est à 5 admin. Personne s'est posé la question, genre le gars il ouvre la table d'admin, on est 5, what? La moitié de la meuf qui est... Le mieux c'est quand il part avec Jeep, vroom 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 le Jeep. Elle est trop drôle, ville. Oh là 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 là. Free! Free! When you see Jarvan, life is beautiful. One être vous manque, and everything is dépeuplé. Unless you have Jarvan. Tu peux mettre tes scores pour aujourd'hui? Ouais, si tu veux. Ah, attends deux secondes. J'attends la fin ici parce qu'il y a peut-être des gueules. On est vraiment très très bien. Alors, il y a un gros problème ici, c'est que j'ai envie d'acheter le Jarvan. En même temps, j'ai envie de push. Ok, je peux pas bouger du coup. Alors chat, est-ce qu'on est d'accord qu'on fait Hoge ici? C'est Hoge, hein. Ok. Hoge et BF, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas un début de Game Warwick là? Hoge et Tetzeke, ou un mec comme ça. Bon là c'est normal qu'on perde parce qu'on... On est tombé contre un mec fort. Casse les couilles. Il y a le même start que nous tout à l'heure, mais en mille fois pire. Ça c'est un des pires starts du jeu. Mage cultiste. On peut rien faire. On a Nida. J'aurais envie de push. Est-ce qu'on fait ça et Garen? En vendant le Wukong. Et le level d'après c'est Elise. Je vais l'acheter la vie. Ouais? Ok. Frontline est un peu faible. Alors attends, on a quoi comme option là avec Hoge? Katarina, vous me dites? C'est vrai que là, si on met Gunblade, c'est pas mal. Hein. Bon, du coup, je pousserai. En fait, je pense qu'il faut pas se prendre la tête avec Katarina. Parce que je pense que mon level 5 c'est Teemo. Et level 6 c'est. Non, level 5 c'est Elise, level 6 c'est Teemo quoi. Ouais, en plus. Non. Oh, après on a Dusk Vanguard, on a Thresh. Thresh rentre trop bien ici aussi. Hein. Je sais pas lequel est le mieux. En tout cas, je pré-push. Ah bah c'est Thresh. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là ici? Thresh ou Elise? Thresh donne Dusk Vanguard, Elise donne Keeper et Vercultiste. Ah c'est Thresh tous les jours. Thresh pré-push. Ok. Ça me plaît. Ça va renforcer le Garen. En fait c'est trop bien parce que ça me donne juste une frontline très solide et c'est la meilleure frontline pour Vayne.
plus mes Warlords free stack. Trop trop bien. Bah je sais pas ce que je joue. Parce que là j'ai pas beaucoup d'écho et je pense pas vendre cette Vayne avant un bon moment parce que level 6 je vais rentrer Jinx ou... Là ma compo va pas bouger, hein. J'ai Garen 2, Nidalee 2, Vayne 2, je vais avoir Jarvan 2, j'ai Thresh. Pourquoi pré-push ici? Alors en fait le pré-push, il y a deux manières de penser. Soit tu gambles un truc un peu fort. Alors attendez, juste il faut que je trouve un champion, un truc bien là. Après je t'explique tout. Quel item pourrait être bien ici? Soit j'ai Zeke. Soit j'ai Deathblade. C'est Zeke 3 gold, non ouais. C'est Zeke 3 gold. Soit j'avais Deathblade. Mais Deathblade, du coup, il faudrait que je gamble Runan. Ça me plaisait pas. Zeke, c'est bien, parce que ça va me tenir tout le mid-game. Et vu que je vais avoir 3 sharps ici, ça va être bien. Alors du coup, il pré-push, c'est soit tu as un truc à rentrer qui va arriver, genre la Thresh, parce que genre, c'est trop bien Thresh, ça me donne Dusk Vanguard. Soit, en gros, t'as... Soit, en fait, tu gambles un truc. Tu gambles un champion. C'est ce soir ou lundi prochain la coupe? Ce soir. On l'a condensé en lundi-mardi. Donc lundi, c'était hier, jour 1. Ce soir, jour 2. Et du coup, lundi prochain, jour 3. Et mardi final. De rien. Merci à Samsung pour le resub. Merci à Kaleki encore et Even. Merci beaucoup. À vous, merci à Ice Kiral pour le 7e mois. Là, nous, on est turbo strong. Alors, les gens sont forts, mais nous, on est turbo strong. Ok, on pourra pas faire d'écho ici. Prochain level, c'est Elise. Elise au 6, Timo au 7. Est-ce qu'on verra un jour dans Popcorn? Bah, y a pas de rush à ça. Mais si un jour il m'invite pour une bonne situation, je suis chaud. Change la musique. Ok. Après, c'est une musique libre de droit, donc j'en ai pas des milliards. On peut mettre un truc un peu plus calme. Mais... Ah, il m'a dit s'il te plaît. C'est bien, sur la musique s'il te plaît. Oh la hache qui se fait découper. Bon, dommage qu'on se soit pris une énorme tata dans l'early game. Mais on aurait pu faire. Prendre ça. Et le mec qui nous a mis une tatane, il a... Putain, il a Evelynn 2 maintenant. Attends, il a vendu? C'est le mec qui avait TF Mage. Qu'est-ce qu'il vient de voir? J'ai fait le tour des streamers chat, ils chient tous sur le patch. Tu penses que tout en prend compte? Moi, je trouve que le patch est pas si mauvais. Et oui, je pense que Riot écoute ça quand même. Je pense que par rapport à ce qu'on a vécu pendant un mois où j'ai même pas lancé le jeu, crois-moi que ce patch est mille fois mieux. Ça me bat de push, je défends ma win streak. Je pense pas faire gargoyle par contre. Après. Gargoyle sur Garen. Donc je le garde un bon moment. Ah, le slam. Après j'ai QSS. Tiens, j'avais testé Gargoyle. Ouais. Je me prends pas la tête. Ouais, j'avais Rudan et tout. Mais... Je pense que c'était pas un bon call, mais j'ai envie d'essayer comme ça. En fait, j'ai envie vu qu'on pouvait pas le faire sur le patch d'avant, j'ai envie de m'entraîner à slam des trucs et jouer. Quoi. Et on voit ce qui est mauvais call. Ça, je pense, c'est limite. Gargoyle diff.
Non! Warwick! Torunan! Merde. Jinx. Voilà, on a des paires de fous. Warwick, il a fait Morunan! Jinx, mieux que Dusk? Non. Aïe! Putain, je me tape les deux mecs level 6 du lobby. Oh, la Evelynn qui est bien dans le trou avec tout le monde. Merde! Allez, Garen Gargoyle! Oh là 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 là, le fight est dégueulasse. Oh! Oh, ce fight quoi, genre. Un enfer. Garen Gargoyle? Bob you. C'est juste peut-être Jinx. Le truc, c'est que dans la méta, il y a beaucoup de backline access, donc Keeper est pas si mal. Voilà, en vrai, c'est pas de bol, hein. On se tape des mecs qui sont forts. Hein. Vous savez que ça c'est mieux? Parce que là on a joué contre lui. On n'a pas joué contre lui, il a pas d'access backline, pas d'access backline. On a joué contre lui, on a joué contre. Pas joué contre lui. Ouais c'est bon. It's a good. Je sais pas si je la vends du coup cette Elise. Non, ça me va. C'est juste qu'il y a beaucoup de Z et tout, donc j'aime bien y avoir Keeper. Mais... Je pense qu'on va en se. Bah. On a perdu 2 rounds, on a mis -8. Go club. Mais après, le problème, c'est que je peux pas mettre des. J'aimerais beaucoup mettre des David Guetta et tout, hein, mais je peux pas. I cannot. Pas de bol est dans ta game? Non. Je pense qu'on croit un arc ici. Ou un gant. Un arc. Quand t'as des items défensifs, tu préconises de partir avec quel compo? Souvent Riven. Riven c'est le plus fort en tout cas. Ah oui, attends, tu voulais voir les points, je crois. C'est toujours la scène normalement pour les points. Ça va être ça. Ça coûte un peu cher de push. Est-ce qu'il y a un monde où je fais pas l'arc sur Riven? Je crois pas. À part que c'est un Zroth. Non, c'est trop bien. C'est juste que j'ai la politique sur les sons? Oui. Fais gaffe, Riven s'appelle Vayne. Pardon. Ok, nice. La Kata qui part là-bas, du coup. Avec le positionnement. Sinon, là, mes 3 champions seraient morts. Nice. Dommage qu'on ait perdu en run. Ah, il y a Zed Shade sur le banc. What? Qu'est-ce qu'il branle, lui? Qu'est-ce qu'il prend là? Lessie Sharpshoot. Merci Charlie Lee pour le resub et le 3ème mois. Oh là là! D'où Jésus Marie-Joseph, just click! Jarvan et Thresh dans le même pack. Bon, je pense que je m'en fous un peu de gagner ou de perdre ce round, on est déjà assez fort donc. Just click! Certaines personnes qui hit, moi je clique. Just click. Mais qu'est-ce qu'il y a? Just click. Moi je pense qu'on gagne parce qu'on a Gargoyle sur Garen. Hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais. Sans lui, ma vie serait différente.
Just Click. Merci Elinral pour le troisième mois. Putain, c'est tellement un resub, ça fait super plaisir en tout cas. Merci à vous tous. Les book. Bon, a priori, on rentre Liz. On met Jarvan et Liz derrière, Bégaren en pointe. Edinson Cavani. Ils ont changé la mécanique qui fait que quand tu achètes un champ, t'as plus de chances d'avoir dans le rôle. Ouais, ça n'existe plus. RFC. RFC, Osh Zeke. Ah merde, j'ai pas acheté, putain, je suis con. Mais c'est juste un Kane en fait, non? RFC Osh, double Zeke. Ou est-ce que je me trompe? Me trompe-je? Ça peut être quoi d'autre? On a Jane, Slayer, Zrot. Ah, c'est très bien. Ah, j'aurais dû changer les positions. C'était Jinx. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Kane. Regardez le gargoyle. Oh là là, les stats incroyables de ce Garen. Il ne meurt pas. Ce Garen est vraiment sain. Mais il ulti pas non plus, enfin. Ah, il joue Talon. Talon, Cake W. Merde, pourquoi je l'ai flame? Sorry. It went... Alone. Je sais pas pourquoi je l'ai flame. Et pourquoi cette musique écrit Lala? C'est qui ça? C'est toujours la même musique. Oh, ça je reconnais. Ça je reconnais. Merci, Dletch. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique? On va mettre du Hungry Music. Ça fait longtemps qu'on l'a pas écouté. Regardez comment Vayne attaque vite. 1.8 d'attaque speed. Oh no. Katarina. Gargoyle diff. Oh no. No! Touché par la grâce des dieux, il attend Kane. Zeke diff. Tout diff, tous les choix diff. Gargoyle diff, Zeke diff, RFC diff. Zilean diff. Bon là clairement c'est... Free. It's a good time. C'est vrai qu'on a souvent des légendaires maintenant. M'en fous. Lux. Est-ce que Lux, ça peut rentrer avec Kane? Teemo est mieux que Jinx? Non. Katarina. Bye. Pas d'accès en backline. C'est fini pour lui. Oh non, les Karim qui tombent pas. Oh, le Karim qui tombe pas. On a pas d'anti-heal. Oh là là là, ça se sent. Oh là là, ça tank tellement, et Karim. Bordel. Vegar 1. J'ai les nerfs. On va prendre une baguette, simple. Merci, Jetsa. Merci beaucoup pour le resub. Il a tanké combien, Karim? Je vais te dire ça. Voilà. Ah non, mais clairement, là, il fallait en anti-heal. Il fallait genre Jarvan, Sunfire, ici. C'est Sunfire diff. The team.
c'est la team. Comment tu t'appelles dans la vie? Je m'appelle la team. Bon, je sais pas si je peux aller jusqu'au level 1000 là, après. En fait, je dois tout changer d'un coup si je change un truc. Merci Omen. Cassio Overlease. Cassio Overlease. Ouais, pourquoi pas, écoute. Le truc, c'est que maintenant Vayne va commencer à fatiguer, quoi. Gargoyle Diff. Je sais pas ce que je fais avec ça. Vous pensez que Cassio est mieux qu'Ediz ici, le chat? Parce que Cassio cover Dawn Mystique, mais cover pas... Tous les jours! Ouais. Yumi à la limite, mais... Pas juste que Zilean est fort comme unité. Elise à la place de Thresh. Non, Thresh trop bien. Oula, on est contre TFT Tilter. Qui a une compo assez insane à l'heure actuelle. J'ose pas se mentir. Le petit Zilean qui met bien. Insane. C'est vrai que Timo a fait le taf ici. Ah, du coup, je vais peut-être faire ça. Je sais pas si c'est correct, mais. Yay? Yay or Nay? Yay. Nay? Yay. Yay or Nay? Yay! Nay! Nay! Yay! Yay or Nay? Nay? Corneille! Oh là là, c'est ce qu'il nous fallait en plus! Hop là! RFC Hoche zap sur Kane, très bien. Il ne manque plus que le Kane. Lux 2. Je sais pas ce qu'il va faire Lux 2 dans ce ménage. Bon, bah on y va avec l'autre compo de Gigolo là. Je pense qu'on va tanker 4 tours et on roll down. 4 tours, sachant qu'en moyenne je vais prendre moins 10, ça fait 40, j'aurai 37 HP. Kane élu. Oh, ça, je reconnais. It's first. Après la Sunfire, il a dit. RFC plus Zap, c'est pas un peu contradictoire? Oh, ouais, la bibliothécaire. Sortons des bouquins. Non, mais encore du backline access, hein, j'ai envie de pleurer. En fait, je pense que Lux est ok, mais elle va me coûter cher maintenant. Moins 13, aïe, on a pris 3 de plus. On a pris moins 11 ou moins 13, j'ai pas regardé. Tu peux le savoir ou pas? Minus 13. Minus 13. Putain. J'ai dit en moyenne moins 10. C'est-à-dire que là, il faut gagner un rune. C'est qui mon bro qui va me faire gagner un rune là? Il n'y a pas grand monde en fait. Ça va être chaud. Est-ce qu'il y a des Katarines? La Katarine. Je vais essayer de la pousser à droite. Oh non, pas lui. Janna 3 avec Ekarim de la mort. Oh non. Et maintenant il a Veigar 2. Oh là là, c'est... impossible. Pas d'antil, je peux gagner. Nidalee a raté sa spire. Moins 15. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 17. Ah non, plus. Mais... ça, c'est moins 10. Ouf. Ah ouais. Ah, l'antil qui manque. Vous avez vu le calcul rapide?
Faut win des rounds là? Non. Chill, bro. I am the god killer. En fait, je vais pas avoir beaucoup de goals, il faut que je change tout. C'est le moment compliqué. It's the complicated moment. Pourquoi t'as pas stab au 8? J'aurais pu. J'aurais pu, mais je me sentais pas à l'aise. Sometimes you have to believe. Do you believe in love after love? Bon, ça va, c'est le dernier. On avait moins 13, moins 17, j'avais dit moins 10, moins 10, moins 10. C'est fine. Ok, now it's time to shine. Par contre, il faut qu'on trouve un bel élu, parce que là, je vais devoir tout vendre. Hein. Après, on a un Gargoyle Zap devant qui peut être bien. On a double Zeker FC Hoj. Putain, avec Kane élu, je suis trop bien. Là, il faut un item pour celui qui aura Gargoyle Zap. RFC double Hoj. Ou celui qui... RFC double Hoj, c'est pas mal aussi. Trap Claw, c'est bien aussi. Gang Gang. Last Visper. Trap Claw ou Shroud? Après, il y a des Katarina, il y a des Evelyn, il y a des Vega. Je pense que ça va être un Shroud. Parce que là, je peux shroud les packs comme je veux. Si j'arrive à arriver en late. Bon, il va falloir être bon. Ça, c'est le moment du choke. Pog. Noé Lupog. Ça va être compliqué. Cache pas que ça va être compliqué. Moins 1000. Sometimes you find an élu, sometimes you don't. Il a Kane de lui. Lionel. Oh. It's gonna be hard. Very, very hard. Pas comme dans le Deus, car Ivan n'a pas de stuff. Oui, je sais pas pourquoi il y a une nuque. Voilà. Good loss. Oh! La luxe! Oh, c'est terrible! Putain, il y a pas de paires qui sont passées. Azir paire, Yone paire, Zidane paire, Cassio paire. Ouais, bah écoutez, c'est doomed. Ouais, lui il a Gunblade. Petit David Alou. Ouais, j'aurais dû vendre Lux là. Et Lux c'est bien si t'as Lee Sin, Ez et tout, mais c'est pas mon cas. Ouais, là je perds un gueule, un déco, si je peux vendre ça. Non, pas toi. Pas toi. Encore une paire.
Sans déconner! Oh! Ah, c'est gigadou! Ah, je suis dégoûté! Non, no joke, je suis dégoûté! Putain! Le fight est pas trop mal, mais c'était pas de dégâts. Kane meurt vite. Je suis deg. En vrai, je suis deg. Hein. En vrai, je pense que là, n'importe quel élu 2, je gagne. Et je crois que je fais un bon taf avec le Shroud. Les gars, il y a un Vega! Énorme! What the fuck? Après, je lui mets quoi dedans? Qu'est-ce qui sort là? Il peut rentrer à la place d'ici, mais. Dusk? 5 et 4, 9, 9, 11, je peux pas. Je peux pas. J'ai pas assez d'argent. J'ai deux à se dire, mais j'ai pas assez d'argent. Moi, j'en sais bien! C'est un élu. En fait là c'est juste il me faut Kane 2, il me faut Yone 2. Et là. Et on a pas eu des bons items à la fin. Je suis ok de perdre ici. Dommage. Oh! What? Les HP! Please die! Please! Oui! Ah si, il faut que je log, j'ai plus chiant. Par contre, il faut savoir qu'il dégage. Lui, il peut pas dégager. Azir qui peut être sur le bench. Ah, ça c'est super. Je vois que ça et ça qui peut dégager. Mais du coup, je perds encore plus d'unités. Sinon, c'est ça et ça. Le Dux, ça sert pas à grand chose. Thresh, déjà, ça sert à rien. Et là, du coup, c'est... Tu vois, c'est ça et ça, quoi. Sérieux. Ah non, j'ai pas eu, j'aurais dû changer. J'ai pas eu le temps. Le Real Dazzler, c'est quand même fort. Hein. Pas déconner. Malheureusement, il a pas de gear, mais... Si j'ai Kane 2, Yone 2, on gagne, mais... C'est simple. Prendre un Zilean qui heal tout le monde aussi. Top 2, top 2, top 2. Top 2 Azir diff, les vagues de la cano. Oh là là, 6K. J'aime, ouais. Ok. Il a joué 7-3. Non, quel chien. C'est tellement le meilleur bail pour moi. Ah bah non. It's first. Mais non, mais il manque un champion. Ah non, moi je veux le Rabadon sur Ez. De Lilia ou de Kane? De Kane, de Kane, de Kane. De Lilia? De Kane. Kane et Ez. De Lilia, de Lilia. Ah non, j'ai pas eu le temps, il était... Ah... Son ulti peut faire mal. Sleepy time. Oh. Les gars, 4k5 quand même. Tu peux en faire un deuxième. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ouais. Je suis fier de toi. C'est pas grave, quelques autres issues, je suis fier de toi, mon Ez. Tu te bats, mon frérot. On n'a pas Kane 2, on n'a pas S2. On donne tout ce qu'on a dans l'équipe. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mec. Non. Toujours plus. Nani. Nani. Mais ça m'excite! Qu'est-ce que je rentre là? Hop là.
Oh non. Oh non. On joue à 8. On joue à 8. On joue à 8. Attends, on est combien? On est 7. Mais on est 7. Non. Mais non, j'ai compté les soldats. Mais quel âne! Ah oui, on peut pas gagner à 7. Ah, mais il y a encore l'autre là. Il y a l'autre fou furieux là au fond. Que des numéros 10 dans ma team, bien sûr les gars, bien sûr. Vous pensez quoi de Yone? Ah, Viomètre Yone? 18 572 dégâts. Le gars a 7 élus. Hein. Énorme. Bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Quel légendaire j'ai pas? Moi je veux des légendaires. Divin adepte, il faut Irelia. 7, j'ai pas 7. Près de Azir, c'est pas mal aussi. Hein. On peut se contenter de ça. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est les soldats, l'infanterie. Titan. Titan, c'est Lee Sin, c'est lui. Non, c'est Yone. C'est vrai qu'il y a une aussi, mais Yone est plus en tank. Alors, si on a gagné à 7 et on perd à 9, je comprends plus rien. Non, mais Ez est incroyable. Oh, les heals qui calent avec les doubles Zeke. Oh, il est mort. Non. Yo, je fais le crit sur Gangan. It's a burst. GG, bro. Oh là 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 là. Please, please, watch me whip, watch me then. Putain, on avait Vayne, les gars. Là, je vous l'avais dit. Toujours 9. Heureusement qu'on a eu élu. Oh, j'avais envie de pleurer. Belle game. Salut YouTube. Salut YouTube. L'autre. Créateur de contenu.